Moi, je suis né ici à Mont, ben, c'est un village d'agriculteurs. Pourquoi? Parce que c'est ici que les terres sont les meilleures. Très très bonnes terres, des deux côtés de la route. Vous avez des campagnes de ce côté-là. Les campagnes de ce côté-là, c'est des terres très riches. C'est des fermiers, je vais dire, une agriculture familiale qui se transmet de père en fils. Ce sont des fermes à taille humaine, ce n'est pas des fermes comme en Hollande à 500 vaches. Et je vais dire, c'est géré en famille, c'est géré dans la bonne entente. Donc, dans le temps, il y avait, je vais dire, 8 ou 9 agriculteurs. Forcément, il y a eu des décès, des retraités, des fermes qui se sont. Les petites fermes ont fait agrandir les 5, les 4 ou 5 dernières qui restent, quoi. Les 4 ou 5 qui restent, je vais dire, ont repris tous les terrains qui étaient exploités par les autres agriculteurs.